Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour le challenge à Kaishin face à Liquir. On va partir intelligence face à du tech. Malheureusement, je dois chercher de quoi compléter ma team, donc j'ai cherché Bardock parce que j'ai pas grand chose de type intelligence qui pourrait faire le taf ici. Donc voilà, on va partir avec cette composition. Ça va pas être facile. De mémoire, c'était facile, mais en fait, c'était facile parce que j'avais la team qui allait avec. En fait, sur la chape, j'avais utilisé Jiren à la place de Bardock. Là, le fait d'avoir Bardock, ça va peut-être me pénaliser de ouf, en fait. Donc, maintenant, on va serrer la fiac, hein, la fiacance. Bon, tu sais quoi, on va tenter une cascade, hein, direct. On va tenter la cascade. S'il se met pas tout de suite... Ah là là, ah l'enfoiré. Bon, j'ai eu le temps de prendre deux stacks. Bon, en même temps, c'est un Vegeta à 100%. Bardock va finir en cappuccino. Aïe, 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 j'ai peur. Vous me faites peur, les gars. Mais bon, Vegeta, il a dit non. Vegeta à 100%, il a dit qu'il va carry la team. Allez, double crit, là. Gogeta. Ah, il a esquivé. Ah, moi aussi j'esquive. On dit 17 000. Oh là là, Vegeta. Putain, dommage. Dommage que j'ai pas pu partir en spé. J'aurais pu faire double crit là. Une attaque critique. Ah. Ah. Ah ouais, mais c'est incroyable ce qui se passe là. En fait, c'est dommage, je suis pas midlife. Ça aurait été parfait que je sois midlife comme ça. Migaté se transforme. Et puis voilà quoi. Ta Liquid peut partir deux fois en SP. J'avais oublié ce petit détail qui a quand même son importance. Donc double SP et en plus il peut esquiver. Ah, ça va être bien relou là. Oui, il a 100% de boost de stats Bardock. Donc il a que 110 000. 110 000 c'est un peu juste ici. Hein. Après Liquir il fait pas si mal que ça parce qu'en fait il peut partir deux fois en SP. Mais il fait chier quoi. Bon, Vegeta, il aura le son Fukatsu. Ça, c'est acté, les amis. Voilà. One Ultime de chez Ultimos. Premier stack. Il se retrouve dans la mauvaise rotation. Malheureusement. Ah, quoique, je suis pas sûr de le garder, en vrai. Parce que... Gogeta, il y a l'avantage du type. Quoique, ouais, peut-être que j'aurais gardé Gohan. J'aurais dû garder Gohan ici. Aïe, aïe, aïe. Parce que Gohan tankera mieux que Gogeta. Bon, normalement, j'ai Fukatsu avec Vegeta. Oh, mais c'est pas incroyable. Migaté no Gogeta. Incroyable ce Gogeta. Bon, j'ai pas assez perdu de PV. Aïe, aïe, aïe. Madre Dios. La chemise, Vegeta, la chemise. Ya. Swek. Voilà tout ce que j'ai. Même si c'est pas grand chose. Bon, on n'a pas le crit, hein. Aïe, un petit million. Qu'est-ce que c'est triste, un million. J'ai fait péter la chemise, mais j'ai l'impression que il n'y avait pas assez de force. Bon, j'espère que ça va se payer sur Caulifla. Aïe, aïe, aïe. Migaté, il a pris quelques stacks. Les midlife. Aïe, 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 Liquir, Liquir, vaisselle. La vaisselle,
Oh shit. Ouais, une deuxième spé, une deuxième spé, je meurs. Punaise pas, une deuxième spé, s'il te plaît. Ouf. Oh, c'est dur, là. Là, j'ai le Fukatsu, là. Voilà. Bon, laisse-moi te frapper, Liquir, s'il te plaît. Fais pas ton Bergamo. Laisse-moi partir en spé, oui. Laisse-moi. Double spé, Vegeta, double spé. Allez, Vegeta. Allez, allez, allez. Oh, pas mal. Oh. Oh, le beau gosse. Faut pas qu'il esquive. Liquid vaisselle. Pec citron. Tiens, mange. Laisse Gogeta partir en spé. À la limite, t'as le droit de partir en spé sur Bardock. T'as le droit de pulvériser Bardock. Nice. Allez. Oh, les... Ah oui, n'oublions pas que Bardock, ici, est utile. Hein. Il donne 40% d'attaque à tous les alliés. Oh là 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 là, la team les amis, la team elle veut ses DS. Oh Bardock, par contre, faudrait taper sur Bardock quand même. Faudrait tuer Bardock s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Mon Fukatsu. Oh shit! Bon, pas de risque. En fait, il reste deux barres de vie. Allez. On va pas prendre de risque item. On va pas prendre de risque inutile. Ah, il lui reste un trait, les gars. Enfin, un gros trait, mais. Non, je vais juste prendre ça. Derrière Vegeta, il y a le Fukatsu. Derrière, on peut mourir sereinement, tu vois. Là, en fait, il y a que Gohan. S'il se mange une spé, je suis pas sûr qu'il survit, tu vois. Enfin, j'espère que ce ne sera pas lui qui va se manger l'aspect quand même. Oh là là, Migaté. Allez, faut pas que ce soit Gohan, s'il vous plaît. Si c'est Gohan, oh là 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 là, il me restera pas beaucoup de PV, je crois que je peux même crever. Allez, pas de spé sur Gohan. Ouf, c'est bon. Tu peux partir en spé sur Caulifla, ça me dérange pas. Oh là là, Caulifla. Allez, génial. Allez. L'aspect peut-être les cuir vaisselle. La cuisine des cuirs. Non. Ah non, d'accord. Par contre, j'espère qu'il va pas me tuer tout de suite. Allez. Là, si ça passe, c'est finito. Ok, si ça passe, c'est finito. Si ça passe... Ok. Ça passe. Le crit. La double spé. Attends, c'est... Oui, il a pas esquivé. First try, les gars. Liquir first try. Franchement, facile. Oh shit. Attends, j'ai vendu la peau de l'ours. Non, c'est bon. Je n'ai rien dit. Ça dégage, bim. First try, les amis. Contre free to play. Aïe, 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 on est là. Bah, Vegeta, hein, il m'a carry fortement, les amis. Non, ça va. Bardock, c'était un boulet, mais vu qu'on l'a dégagé, même pas eu le temps de Fukatsu, les amis. Même pas eu le temps. Non. 10 minutes, torché, plié. Après, encore une fois, à partir du moment où je dégage Bardock de la rotation, ça devait plus ou moins aller, tu vois. Donc voilà, les amis, j'ai même pas eu le temps. Enfin, si, j'ai eu le temps de transformer Gohan, enfin Goku Ultra Instinct, mais qu'une seule. Enfin, j'ai pu le rentabiliser que durant un seul tour. Donc voilà la stratégie, bah, il faut avoir Vegeta, je pense. Alors, si vous avez Migaté, ça peut passer. Vous prenez Migaté dans votre team, et vous prenez Vegeta dans l'autre rotation, mais. Ça risque d'être plus compliqué déjà. Parce que dans la team de Migaté, vous ne pouvez pas forcément aligner la même team. Hein, parce que. Éveil miraculeux, ça concerne pas les Gogeta. Non, en fait, non, c'est pas forcément une bonne idée. Vous êtes obligé d'avoir Vegeta. Gogeta, il rentre pas dans la team, dans la catégorie de Migaté, agilité. Bah là, je pense qu'il faut avoir Vegeta. Faudrait que je teste avec une autre team sans Vegeta, mais je pense que le plus safe, ça reste Vegeta.
Sur ce, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Merci encore, à Brice Jamming pour son guide. Voilà, très efficace, hein, comme d'habitude. Sur ce, à très bientôt.